affolée de me voir aussi blanche là comme ça à la caméra. Et je crois qu'en plus c'est même pas la caméra qui change les couleurs, c'est juste que j'ai pas du tout pensé. Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue du bookshop tour, mais tant attendue. En fait je sais pas si elle est tant attendue que ça, mais moi en tout cas j'avais très très hâte de la faire, puisque bah voilà, j'ai vraiment super hâte de vous présenter ma nouvelle bibliothèque, puisque comme vous le savez probablement, on a déménagé fin juillet avec Guillaume. Et bah voilà, dans le nouvel appart on avait la chance d'avoir un magnifique meuble bibliothèque encastré directement dans le mur. Enfin c'est à dire, il est pas vraiment encastré dans le mur, enfin comment dire, attendez, c'est pas très clair. En fait la bibliothèque c'est un meuble qui a été fait sur mesure il y a déjà très longtemps, au tout début de l'appartement. Je crois que ça a été fait dans les années 70, c'est à dire que c'est pas l'ancienne propriétaire qui l'a fait construire, c'était déjà les gens avant elle. Et c'était donc, bon il y a des bruits d'enfants dehors, j'espère que ça vous dérangera pas trop, mais j'aime mieux avoir un petit courant d'air quand même vu la chaleur qu'il fait. C'est à dire du coup que c'est un meuble en bois qui a été fait par un menuisier j'imagine, et qui bah, recouvre la moitié du salon, puisqu'on a tout ce mur là en bibliothèque et le mur qui est de ce côté là où c'est en fait des placards. Et ici au dessus bah il y a l'ancienne cheminée qui passe, enfin bref elle est condamnée et tout. Et, et voilà, alors le cadrage est pas terrible mais bon c'est pas très grave, j'irai vous montrer tout ça juste après. C'est qu'il y a ma table ici qui me gêne un peu. Donc voilà pour la bibliothèque qui est vraiment trop jolie. On l'a refaite quand on a emménagé parce qu'à la base elle était toute blanche, un peu laquée, enfin blanche, bon un blanc qui avait qui était un peu sale en fait, qui avait quand même bien vécu, avec des espèces de rainures rouges et vertes. Je sais pas si j'ai encore des images. Je crois que j'ai pas pris assez de photos de l'appart quand on l'a eu, parce que vraiment ça me manque maintenant. Je me dis punaise, j'aimerais mieux avoir des avant après, mais bon c'est pas grave, si je retrouve des images je vous les mettrai là. Mais vraiment c'était pas terrible. On a fait le choix de la peindre dans une couleur foncée. J'étais d'accord pour à peu près toutes les couleurs, et c'est vrai que j'avais quand même envie d'une couleur bah voilà, très foncée. Et quand on est allé voir les couleurs au magasin, Guillaume était très emballé par cette couleur là qui a peut apparaître en fonction de la luminosité noir ou bleu très foncé, mais en fait c'est un bleu très foncé. J'ai totalement oublié le nom de la couleur, d'ailleurs je sais pas si les noms de couleurs c'est partout les mêmes. Voilà, du coup on a repeint la bibliothèque en bleu très foncé, on a rajouté des étagères et on a enlevé les portes. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Alors en fait, oula, la luminosité rechange. Écoutez, en fait sur ce pan là de bibliothèque et sur celui juste ici là, c'était donc il y avait des portes en fait qui étaient accrochées ici. D'ailleurs j'ai pas recouvert, vous voyez pas, c'est pas grave. Il y avait des portes avec une espèce de petit grillage par dessus. Pareil du coup là vous allez pas trop voir, mais je vous montrerai après. Il y avait des portes partout qu'on a enlevé. Ah bah si, attendez, j'ai un exemple de porte à vous montrer juste ici. C'est bon, alors du coup je suis désolée, on a été coupé parce que j'avais plus de place du tout sur ma carte mémoire. Je vous reprends. Du coup j'étais en train de vous dire, j'étais donc en train de vous montrer le type de porte qu'on avait avant ici et partout en bas là, et également ici. Voilà, il y avait bah, tout simplement voilà, un tour en bois avec un grillage, et on a tout enlevé sauf de ce côté, puisque là on met les jeux de société, donc c'est pas plus mal que ce soit fermé parce que c'est un petit peu le bazar. Voilà du coup pour le premier petit tour d'horizon de la bibliothèque, et ensuite on ira un petit peu plus dans le détail sur les étagères. Alors je vais vous montrer toutes les étagères, mais je vais pas vous montrer tous les livres individuellement en les sortant de l'étagère et tout, parce que ça n'aurait pas trop d'intérêt, ce serait très long, je suis pas sûre, ce serait très intéressant. Je vais juste voilà, vous parler un petit peu de mon organisation, mettre en avant quelques livres, vraiment si en passant devant un livre je me dis ah, celui-ci il est vraiment très cool, mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ah oui, petit disclaimer avant de continuer la vidéo, je fais pas cette vidéo pour étaler le nombre de livres que j'ai. C'est pas mon rêve absolu d'avoir une bibliothèque comme ça, mais franchement quand voilà, je passe beaucoup de temps sur Pinterest à regarder des trucs, enfin bref, ça m'a toujours fait un peu rêver quand même. J'ai toujours eu très envie bah voilà d'avoir un beau meuble et une belle mise en valeur de mes livres, enfin, en tout cas quelque chose que moi je trouverais joli. Et là ce qu'on a actuellement, j'aime trop, je suis super fan et je passe des heures exactement sur ce fauteuil là à regarder ma bibliothèque, parce que voilà, je suis très contente, mais je veux pas voilà faire ça en mode oh là là, regardez tout ce que j'ai. Non, c'est pas ça, c'est juste pour vous faire profiter aussi, pour vous montrer à quoi ça ressemble, pour vous donner de l'inspiration, enfin bon, bref vous avez compris. Bref, voilà. Je vais vous poser par ici, enfin je vais poser le trépied ici, et on va aller faire un petit tour de la bibliothèque. Je vous montre rapidement le salon pour vous voyez à quoi ça, enfin comment c'est organisé. Alors du coup quand on rentre dans le salon, on a
le balcon en face. Là on a du coup le coin salon en bazar. Et en fait quand on tourne ici, on a donc le coin bibliothèque avec le coin salle à manger. Alors je vous retourne pour pouvoir papoter un peu. Je trouve pas ça absolument idéal d'avoir le coin salle à manger, enfin la table à manger à côté des livres. Je sais pas, ça me dérange un petit peu. Mais au niveau, il n'y a plus le focus. Mais au niveau de la disposition des meubles, on n'avait pas trop le choix de faire comme ça. Et finalement je trouve que c'est pas si mal. Enfin bon, ça me dérange pas. Voilà, j'avais un a priori et finalement à l'usage ça me dérange pas du tout. Donc voilà, Et voilà donc la vue d'ensemble de la bibliothèque. Ah oui, aussi avant d'oublier, je vous montre cette bibliothèque là qui est donc dans le coin du mur, parce qu'en fait comme vous allez voir quand on est de ce côté là du salon on ne la voit pas, du coup voilà il y a un petit rebord de mur, donc là c'était le coin parfait pour mettre cette bibliothèque là qui est donc une bibliothèque Billy et dans laquelle on a mis toute la littérature blanche, 2-3 trucs, des vieux livres, bon voilà, tout ce qui n'était pas de la SFFF globalement on l'a mis ici. Voilà, pour en revenir à ceci qui est parce qu'il nous intéresse le plus, je ne sais pas par quoi commencer. Alors du coup sur les étagères du haut on a tout ce qui est grand format et sur les étagères du bas on a les petits formats. La partie inférieure du meuble du coup elle est plus large que la partie supérieure, vous voyez il y a un petit écart comme ça, ce qui fait donc qu'en bas on a la place de mettre plusieurs rangées de livres. Alors je l'ai pas fait partout, là en fait je sais pas si vous verrez mais j'ai de quoi mettre derrière les livres, il y a encore de quoi mettre toute une rangée, mais je les ai un petit peu avancés pour qu'ils soient plus proches. Mais techniquement, voilà, vous voyez, là, il y a de quoi mettre 3 rangées de livres de poche. Là, il y a 2 rangées de livres de poche, mais là, voilà, je fais mon petit micmac comme ça. Et de ce côté-là, à côté donc des jeux de société, on a quelques lectures graphiques que je n'ai pas mis dans le bureau de Guillaume. Parce que d'ailleurs, oui, pour ceux qui connaissaient la bibliothèque dans l'ancien appartement, tous les graphiques étaient dans le salon. Et là, du coup, on a mis tous les graphiques dans le bureau de Guillaume. Je vous mettrai quelques images où j'irai vous montrer tout à l'heure si j'y pense. Mais voilà, là, j'en ai mis quelques-uns que j'aimais bien, que je voulais avoir ici. Alors, on va commencer du coup par cette colonne-là. Alors en haut j'ai mis des livres que j'ai déjà lus et que je ne vais pas relire tout de suite, ou alors des livres que je n'ai pas lus mais que j'ai pas prévu de lire dans l'immédiat, et donc là je parle donc des Maxime Chatham. J'ai aussi mis ces superbes éditions de Terre-Mère d'Ursula Le Guin avec les vieilles couvertures vintage qui m'avaient été offertes par Cécilia. Je les ai mises là parce qu'en fait je voudrais les mettre ailleurs. D'ailleurs je vais probablement faire... voilà, je voudrais faire quelque chose dans ce goût là mais j'ai pas pour les voir parce que je les adore, je les trouve trop jolies. Je sais que c'est pas du goût de tout le monde mais moi j'ai un faible pour ça. Voilà, je voudrais faire quelque chose dans ce goût là pour qu'on les voit mais j'ai pas trop eu le temps. Ah, le bruit que vous entendez c'est les petits chats qui se battent. Oui, d'ailleurs j'ai pas pensé à préciser mais il y a un rangement très aléatoire hein, dans la bibliothèque, vous allez pouvoir le constater. Enfin globalement j'ai trié par maison d'édition mais j'ai mis des grands formats avec les poches, enfin parfois je sépare les sagas parce qu'elles sont pas de la même édition, parfois je les mets ensemble même si c'est format, grand format et poche. C'est un petit peu voilà comme ça m'est venu au feeling, j'ai rempli ma bibliothèque et voilà j'ai pas fait hyper attention en fait. J'aime pas les bibliothèques toutes parfaitement rangées, vraiment, où il n'y a rien qui dépasse, tout est pile, bien droit et tout. J'aime bien quand il y a un petit peu de vie quand même, quand c'est un peu irrégulier, voilà. Donc vous allez pouvoir constater que le rangement est sans trop de logique parfois, parce que j'ai mis des maisons d'édition les unes à côté des autres alors qu'il n'y a pas trop de rapport. J'ai fait comme ça me venait. Alors en dessous on a les Actes Sud avec notamment la trilogie du Problème à trois corps. Ensuite on a ce très gros format des Moutons électriques qui est je crois le seul grand format que j'ai de cette maison d'édition. Ensuite on a les magnifiques Capitales du Sud qui sont là. En dessous on a les éditions Albin Michel Imaginaire et ensuite on a tout ce que j'ai de chez Mnemos, donc dans différents...
différentes gammes de la maison d'édition, puisque là on a ces formats là, je sais pas c'est quoi comme collection. Ensuite on a ceux-là, notamment donc les Adrien Thomas, et j'ai aussi celui-ci du label Mu, qui est donc le label Mu, qui est un label des éditions Nemos, d'ailleurs que je vais mettre plutôt de ce côté là parce que c'est pas exactement la même chose non plus. Celui-ci je l'avais reçu en concours, je ne l'ai pas encore lu, mais j'aimerais bien le lire prochainement. Alors ensuite on a une de mes étagères préférées, puisque c'est mon étagère avec les livres des éditions La Talente, que j'aime trop, il m'en manque, hein, vous allez voir, il m'en manque quelques-uns, il me manque des Becky Chambers que j'ai prêté à ma belle-mère, et bah voilà, il me manque juste cela, et cette étagère se poursuit un petit peu de ce côté-là, puisque j'avais de la place, là bah, je vous la montre tout de suite, là à la place un petit peu d'honneur, là ça c'est voilà, c'est la place d'honneur de Guillaume, et ça c'est ma place d'honneur à moi, là on a les Brandon Sanderson, donc ce bon vieux Brandy a droit à une étagère rien que pour lui, voilà. Et en fait il restait de la place sur le côté, donc je me suis dit plutôt que laisser vide et d'avoir tout un tas de trucs entassés de ce côté là, et bah je vais poursuivre. Donc voilà, l'étagère en dessous, on a une autre étagère que j'aime beaucoup, puisque c'est la collection Nouveau Millénaire de chez J'ai Lu. C'est vraiment des livres que j'adore déjà, que je trouve toujours super jolis. Et en plus, ils éditent certains de mes titres favoris. Oh là là, celui-ci, je l'aime tellement. D'ailleurs, celui-ci, vous n'avez plus aucune excuse parce qu'il sort en poche. Je crois qu'il vient de sortir ou il va sortir tout bientôt en poche. Et vraiment, il était exceptionnel ce livre, enfin un énorme coup de cœur. Donc voilà, bon bref, je vais pas tout vous montrer. Oups, j'ai fait tomber l'enceinte JBL qui a trôné ici pendant un mois pendant les travaux, puisqu'on l'a posée là avec le téléphone branché juste ici, et en fait voilà, elle est restée à cette place. Je vous montrerai les étagères de poche après. On va pouvoir repartir du coup sur cette section là de la bibliothèque, qui est donc la partie centrale. Alors tout en haut du coup ici on voit l'étagère de Guillaume avec toutes ses éditions de Gemmel. Attendez, je monte pour vous montrer. Même si moi les Gemmel ça m'intéresse pas des masses. Alors on a donc tous les David Gemmel, donc surtout c'est quasiment tous des Brajlon je crois, à part celui-ci qui est un intégral de chez Nemos, et les éditions collector, ça c'est un collector, ça c'est un collector, et ça c'est un jeu qu'il aimait quand il était petit, enfin bon bref. Donc voilà, cette étagère ne m'intéresse pas beaucoup, alors que celle d'en dessous est quand même beaucoup plus sympa. Ici c'est donc une étagère avec des formats semi-poche, on a beaucoup de ça, c'est en fait j'ai mis les trônes de fer ici, en fait j'ai mis tous les semi-poches de chez J'ai Lu, donc notamment les et essentiellement les Robin Hobb, l'Assassin Royal et les suites de la saga, puisque c'était le même format. J'ai aussi mis le Trône de Fer, et en fait les deux premiers tomes du Trône de Fer on les a dans ces éditions qui sont des vieilles éditions France Loisirs il me semble. Donc voilà. Ensuite on a les plus beaux, les plus merveilleux, vraiment certains de mes livres préférés de ma bibliothèque. On a les Ada Palmer qui sont d'ailleurs pas rangés, il faut que... Comment il a rangé ça, Guillaume? Non mais n'importe comment. Alors, oh, voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà, je disais donc que ici on a la saga Terra Ignota de Ada Palmer dans ses magnifiques éditions de chez Le Bélial. Vraiment, les livres sont magnifiques et ils sont ici à la place d'honneur entre Robin Hobb et Ursula Le Guin. Là, j'ai mon hardback Ursula Le Guin qui m'a été offert par mon anniversaire par une copine, qui est absolument magnifique. Et juste ici, j'ai une anthologie sur Ursula Le Guin par ActuSF. Donc voilà, je les ai mis l'un à côté de l'autre. Alors ensuite, l'étagère centrale qui est vraiment la place d'honneur de la bibliothèque, c'est Guillaume qui a eu le dernier mot sur ce qu'on y mettait. À la base, ces deux étagères là étaient interverties, c'est-à-dire que ici à la place d'honneur on avait mes romans, les romans que je préférais, donc tout ça c'était là, et en fait Guillaume a insisté pour qu'on descende le livre des martyrs, puisqu'il disait que comme on les avait presque tous maintenant, on a les 9 tomes qui sont parus. On voyait quand même bien la frise apparaître, enfin là vous voyez rien parce qu'il y a un reflet évidemment, mais est-ce que je peux vous montrer mieux? Oui, comme ça, ah voilà, comme ça c'est quand même pas mal, et c'est vrai que c'est... c'est quand même assez cool, hein, on va pas se mentir. Donc sur cette étagère là, on a les 3 hardback collector du sorceleur. Au-dessus, on a le jouet des chats, mais bon, ça, bref, peu importe. Les 9 premiers tomes du livre des martyrs, donc il en manque plus qu'un. Puisque c'était la même maison d'édition, j'ai mis les 3 autres grands formats de chez Léa qu'on a, donc ces 3 là. Et ensuite, on a du Mnemos, que je n'ai pas mis avec les autres Mnemos ici. Parce que, en fait, au niveau taille, il correspondait plus au format des livres de cette étagère-là. Donc voilà, là on a du Mnemos, du Adrien Thomas, on a des intégrales
leurs très belles intégrales hardback comme ça. Ensuite, bah, je vous ai déjà montré en dessous, c'est l'étagère donc de Brandon Sanderson. Et l'étagère d'en dessous, c'est donc une étagère avec des poches, puisque puisqu'il y avait de la place pour les mettre ici. Et c'est donc les poches de chez Livre de Poche. Et je les aime beaucoup parce que je trouve que les dos sont très colorés. Donc je trouve que ça fait très sympa comme ça de les avoir bien en vue dans la bibliothèque. Là, sur le côté, bah, vous allez voir, en fait, il y a pas mal d'espace ici. Ici, bon, c'est poussiéreux, hein. Voilà, vous ferez pas attention. Ce qui me permet de mettre ma liseuse, mon carnet de lecture. Et les lectures que je vais vous présenter en vidéo, je les pose ici, comme ça je ne les oublie pas. Là ici sur ce côté là il restait de l'espace en fait, et donc j'en ai profité pour mettre ma pile à lire prioritaire. Ah oui, d'ailleurs je vous ai pas dit, attendez, je vous repose. Dans le précédent appartement en fait on avait séparé, enfin j'avais séparé la pile à lire et les livres lus, puisque en fait on avait une bibliothèque dans la chambre qui était donc la bibliothèque avec les bords jaunes, je sais pas si vous vous souvenez, pareil, si je retrouve des images, je vous mettrai une petite image par ici, qui me servait donc de bibliothèque pile à lire et que j'adorais avoir dans la chambre, puisque bah, le soir quand j'avais terminé mon livre, j'avais plus qu'à regarder ma bibliothèque et choisir ma nouvelle lecture. Bref, c'était sympa, c'était pas mal organisé comme ça, et en fait c'était surtout parce que les quatre autres bibliothèques étaient pleines à ras-bord. On s'organisait comme ça et ça marchait très bien. Et là finalement cette bibliothèque là, ça m'a permis de mettre toutes les bibliothèques qu'on avait, enfin l'intégralité des livres qu'on avait en dehors des graphiques rentre ici, à part du coup la littérature blanche que j'ai mis sur cette bibliothèque là. Mais si je voulais faire rentrer la bibliothèque blanche, je pourrais la mettre ici, puisque c'est ce que j'avais fait dans la première version. J'avais fait un premier rangement de la bibliothèque où j'avais mis toute la littérature blanche sur l'étagère tout en bas là, que attendez, est-ce que vous la voyez? Voilà, cette étagère là où il y a les livres de poche j'ai lu actuellement, j'avais fait des doubles rangées de littérature blanche et en fait bon bref, tout rentrait très bien ici. J'avais mis un petit peu d'essai aussi sur le côté avec les graphiques, bref, tout rentrait parce que finalement cette bibliothèque est absolument immense. Je sais pas, enfin je veux dire, je sais pas si ça se voit en vidéo. Oui, on voit quand même que c'est une grande bibliothèque, mais il y a énormément de place parce que là il me reste de la place en fait. On a pu mettre tous les livres qu'on avait avant, donc 3 Billy plus la bibliothèque qu'on avait dans la chambre, enfin bref l'équivalent d'un peu plus de 4 Billy, et il reste de la place en fait. Bref, je sais plus pourquoi je racontais ça, si c'était pour vous dire que donc là j'ai pas séparé la pile à lire des livres lus, tout est mélangé, ça me convient très bien comme ça, puisque finalement bon je sais pas, ça me convient très bien comme ça. De toute façon je fais des piles à lire dans mon carnet de lecture, donc voilà, j'ai pas forcément besoin de tout visualiser. J'aimais bien visualiser, mais en même temps j'aime bien que tout soit mélangé aussi. Bref, ça me plaît bien comme ça, c'était la meilleure organisation possible je trouve. Et donc comme j'aime bien quand même faire des petites piles à lire, ça grince, c'est parce que je suis assise sur la table hein. J'aime bien faire des petites piles à lire pour la semaine ou pour le mois ou pour voilà, enfin me faire des petites piles à lire avec une dizaine de bouquins, et bah donc je les mets donc à l'endroit que je venais de vous montrer, que je vous remontre. Là j'ai de la place, et si à un moment j'ai besoin de plus de place, bah tout simplement je ferai une double rangée, je mettrai des livres de poche de ce côté là et ça marchera très bien. Donc voilà, alors, on attaque cette partie de la bibliothèque qui est donc la troisième colonne. Hop, je grimpe. Là-haut j'ai mis du coup les Gallimard jeunesse et j'ai mis les deux Saxus. Il me reste, bah voilà, il me reste... Oui, je vous ai pas montré tous les trous qu'il y avait dans la bibliothèque, mais bon, peu importe. Là, il reste donc de l'espace, mais de l'espace qui va être bientôt rempli, puisqu'en fait j'ai pas mal de Saxus que j'ai commandé ou que je vais lire prochainement, donc ensuite ils vont venir ici. Ensuite on a les grosses intégrales France Loisirs et on a un petit peu de tout niveau maison d'édition, enfin on a pas mal de Léa, tout ça c'est Léa. Là on a de la théorie sur la science-fiction. Alors ensuite cette étagère là, c'est encore une étagère que j'aime énormément. Ici j'ai donc une partie de mes romans de Robert Charles Wilson, donc j'ai ces trois là qui sont chez moi. Ça c'est chez De Noël, ça aussi c'est chez De Noël et ça c'est chez Le Bélial. À côté on a donc des romans des éditions critiques et notamment ces trois là qui sont donc des Lionel Davoust. Et ensuite sur le reste de l'étagère on a les romans des éditions L'Homme Sans Nom qui sont vraiment très jolis. En dessous on a les romans de chez ActuSF, puisque voilà tout ça c'est les éditions ActuSF. Et ensuite c'est toujours ActuSF mais c'est leur collection Naos qui est donc la collection Young Adult. Et bon, voilà, je les ai tous mis là. Et à côté on a les livres de chez France Loisirs, donc les QCL, on a aussi Leylan que je n'ai toujours pas lu, et on a celui-ci qui traîne un peu par ici parce que je n'avais aucun autre endroit pour le mettre, mais que je devrais peut-être mettre avec les Brajlon d'ailleurs, mais on verra ça plus tard. L'étagère du dessous, c'est à nouveau une étagère que j'aime énormément, puisque là on a les Margaret Atwood, tout ça là c'est Margaret Atwood. Là j'ai mis un petit peu les poches de maison d'édition dont j'ai pas beaucoup de livres de ces maisons d'édition là, parce que là vous allez voir, c'est
tous les folios SF, là c'est tous les j'ai lus, et là-bas c'est tous les pockets. Donc en gros ici et là c'est donc tous les livres de poche de chez Livre de Poche, et là globalement bah oui, et là c'est tous les Bragelonne, vraiment c'est n'importe quoi ce bookshelf tour, je vous montre tout dans le désordre. Mais voilà, ici du coup c'est tout le reste et c'est beaucoup de maisons d'édition voilà plus petites. Bah là on a les 1 heure lumière de chez Le Bélial, que j'adore, j'aimerais en avoir plus mais ils coûtent quand même un petit peu cher et ils se lisent très vite, donc c'est pour ça qu'en général je suis un petit peu frileuse. On a La Talente, on a chez Helios, là c'est France Loisirs, Rivage, voilà, et puis Actes Sud, un petit, voilà, que je pourrais mettre là-haut, oui mais il a un format bizarre, donc non, finalement je vais le laisser ici. Alors ça paraît pas comme ça, mais en fait ça donne super chaud de filmer, vraiment je sais pas si vous avez déjà vu les booktubeurs en sueur au bout de 5 minutes de vidéo, c'est parce que ça donne très chaud, sachant qu'il fait déjà très chaud, voilà le résultat. Alors c'est reparti, ici du coup j'ai mis tous mes pockets, c'est un petit peu le bazar mais franchement ça va, en fait ça me dérange pas que les étagères inférieures ça soit un petit peu le bazar, vous pouvez constater qu'il y a des doubles rangées, il y a un petit peu des paquets, parfois il y a des triples rangées, c'est bon bref il y a un petit peu de tout, mais j'aime bien ce bazar organisé. Ici je disais donc qu'on a les pockets, j'ai mis dans ce coin là les pockets grand format et ensuite je les ai organisés par série, donc là il y a Le Passage de Justin Cronin, là il y a Dune, et puis bah là il y a un petit peu le reste. Donc voilà, ici justement il y a plein de livres que je ne vois pas dans cette étagère là, mais ça ne me dérange pas parce que c'est des livres qui sont un petit peu moches. Attendez, je vous les montre. Bah notamment voilà, on a des livres un petit peu comme ça, les très vieilles éditions Folio SF ou de chez J'ai lu, et j'ai un petit peu pareil, j'ai des vieilles éditions de chez J'ai lu derrière, donc écoutez, c'est pas plus mal que je les vois pas. Il faut par contre, faut pas que je les oublie parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai pas lu. Là, on a tous nos tomes. Là, on a tous les tomes qui sont à Guillaume de la saga Le Pistolero, enfin La Tour Sombre de Stephen King, qu'il n'a jamais terminé. Mais on a, je crois qu'on a les 7 ou 8 premiers tomes quand même. Donc voilà, ici on a un petit peu du bazar et ici j'ai une grosse partie de mes livres en VO. Vous allez vous dire, mais tu ne lis pas de VO? Non, pas encore, mais j'aimerais bien m'y mettre. Donc voilà, pour l'instant ils sont là et là, juste là. Tout devant j'ai mis la trilogie Fionnavard de Guy Gavriel Kay. À nouveau, les éditions ne sont pas très jolies, mais au moins c'est des livres que j'adore. Donc voilà, je suis contente de les avoir ici. Alors on passe sur le côté à l'étagère avec tous les folios SF. Globalement voilà, c'est une étagère folio SF, il n'y a quasiment que ça. Sauf là sur le côté, j'ai mon coffret du coup Harry Potter en VO que Guillaume m'avait offert à Noël il y a 4 ans, quelque chose comme ça je crois. Le coffret est super joli, donc voilà, je l'ai mis là, même si le reste de la VO il a, bon bah voilà, le coffret est là. Sur le côté on a les folio SF en grand format. Ensuite bah voilà, rien d'exceptionnel, j'ai mis tous mes livres folio SF ici même. J'ai un petit peu organisé devant du coup par saga, là c'est la duologie des Seigneurs de Bohème de Estelle Fay. Et là, on a les Dieux Sauvages de Lionel Davos, les 3 premiers tomes que j'ai lus. Et ici, on a donc le tome 4 en 2 parties que je dois lire prochainement. Donc voilà pour cette étagère-là. Alors l'étagère du dessous, vous allez voir, c'est un petit peu le bazar. Le bazar. Là derrière, on a donc les Pierre Bottero. En fait, derrière, j'ai mis globalement tout ce qui était jeunesse ou young adulte. Voilà, vous pouvez reconnaître ici, on a La Ville sans vent, là on a le Adrien Thomas. On a Eragon, on a Gardien des Cités Perdues, bon bref voilà, j'ai mis tout ce qui était jeunesse et young adulte, mais vraiment oui, bon bref, plutôt jeunesse. Là sur le côté c'est des livres que je vais mettre sur Vinted, c'est les romans de Olivier Paquet dont j'ai vu des propos qui m'ont fort déplu, donc j'ai décidé de ne pas lire ces livres. Et sur la rangée du coup de devant, j'ai mis tous mes poches de chez J'ai lu, que je trouve vraiment très jolies. Alors mes éditions poches préférées c'est les folio SF, qui vraiment, regardez, ils sont trop beaux. Je les trouve vraiment magnifiques, je trouve qu'ils... Ah là là, ils ont trop de cachets dans une bibliothèque. J'aime beaucoup les livres de poche aussi parce qu'ils sont très colorés. D'ailleurs, ces deux-là, je les aime pour des raisons très différentes. Mais les J'ai lu, je sais pas. Je trouve aussi qu'ils ont un petit charme avec leur petit bordereau là sur le côté. Mais voilà, bref, donc voilà pour ce côté-là. Les graphiques qui sont donc de ce côté-là, je vous les montre très rapidement. Mais voilà, vraiment rapidement, parce que j'ai peur que la vidéo soit très longue. Voilà. Voilà ce qu'il y a par ici.
Hop, donc vous voyez, là il me reste de la place. D'ailleurs, quand je vous disais qu'il me restait beaucoup de place dans la bibliothèque, c'est notamment parce que tout ça, il y a de la place dans le bureau pour les mettre avec les autres romans graphiques de Guillaume, parce qu'à la base, bah, ils étaient tous dans le même meuble, donc je pourrais tout à fait les mettre là-bas, mais j'ai pas besoin de cet espace pour l'instant, donc je l'ai mis ici, mais vous voyez par exemple là, il y a énormément de place, parce que ça, je pourrais les mettre en bas ou je pourrais les mettre ailleurs, et ça me libérerait toute une étagère, donc voilà, je pense que cet espace-là, d'ici quelques temps, bon j'imagine pas dans un futur trop proche non plus, mais il sera certainement réaménagé pour bah voilà, pour refaire de la place à certains romans. Et écoutez, maintenant on va pouvoir s'attaquer à cette partie là de la bibliothèque, et ça va aller très vite parce que de ce côté là on a mis tous les brajolones, donc voilà, je vais juste vous montrer rapidement ce qu'on a. Alors globalement en haut j'ai mis les brajolones un peu moches, vous voyez les vieux brajolones de vieilles éditions qu'on a chopées d'occasion ou quoi, bref, ceux que c'est un petit peu les déclassés là-haut. Ensuite, on a les éditions Bragelonne 10 ans. J'aime beaucoup ces éditions, je les trouve assez chouettes. Et pareil, je trouve que c'est très coloré, c'est vraiment sympa, je trouve que c'est assez joli. Et ensuite, bah voilà, on a le reste de la collection Bragelonne qui sont du coup majoritairement à Guillaume. On a ces Abercrombie qui sont ici, que j'aimerais bien lire prochainement, Brent Weeks, les Mark Lawrence, il en manque parce que j'en ai prêté à une copine. Là, on a des poches du coup, puisque bah voilà, il y avait un petit peu de place, donc j'ai mis les livres de poche par ici. Ici, on a mes Codex Alera que j'aime beaucoup. Ensuite, on a l'Empire du Silence, la trilogie de SF que je compte lire assez prochainement. D'autres Bragelonnes. On a celui-ci qui est une édition Bragelonne, mais dans un format tout à fait unique, puisque c'est un semi-poche qui ne correspond à aucun autre, qui m'a été offert pour mon anniversaire par Marion, que j'ai super hâte de lire. Donc voilà, je l'ai mis ici en attendant. Faudrait que je lui trouve une place plus appropriée. Et en bas, on a encore des Bragelonnes, et notamment la roue du temps, et voilà la suite des poches de chez Bragelonne. Enfin, on a mélangé les poches Milady et les poches Bragelonne parce que globalement c'est, ils se ressemblent hein, quand même, on fait pas une énorme distinction, donc voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo Bookshelf Tour, j'espère qu'elle est pas trop longue, j'avais envie que ça soit pas trop long. Je me demande si j'ai pas été même un petit peu trop rapide, mais je vois pas trop l'intérêt de passer doucement comme ça devant tous mes livres. Enfin je vois l'intérêt, mais j'ai vraiment pas du tout envie de faire ça. De toute façon, si vraiment vous voulez voir tous les livres, vous n'avez qu'à mettre pause sur chaque étagère, et je pense que ça vous permettra de voir les livres qu'il y a. Donc voilà, j'espère que ce petit aperçu de mes bibliothèques vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture, que ça vous a donné, bon, des idées de rangement peut-être pas, parce que vous avez pu constater que c'était pas hyper rangé, même si globalement j'ai mis les semi-poches avec les semi-poches et les très grands formats avec les très grands formats et les poches avec les poches. Bon, ça se balade un petit peu dans la bibliothèque et ça sera certainement amené à changer encore avec le temps et avec l'usage. Donc voilà, je suis super contente de vous avoir montré ma bibliothèque, dont je suis quand même très très fière, que j'aime beaucoup, et que voilà, je me sens super chanceuse d'avoir une bibliothèque comme ça chez moi. Parfois, genre, une fois sur deux où je rentre dans le salon où je regarde la bibliothèque, j'ai du mal à me dire que c'est réel et que ça m'appartient et tout, que... parce que c'est voilà, bon bref, vous comprenez l'idée. Sur ce, du coup, je vais arrêter parce que je commence un petit peu à bavasser, du coup je vais vous laisser ici. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.